Vive ta santé pour mieux vivre ta santé. Vous le savez, c'est le slogan de cette émission, de ce magazine hebdomadaire consacré à la santé. Alors pour ce nouveau numéro, cette nouvelle incursion médicale, nous avons décidé, le staff de cette émission a décidé d'aborder un sujet important, vous le savez. Le 1er septembre passé sonnait la date des avertissements sanitaires en ce qui concerne les étiquetages et emballages des cigarettes dans notre pays. Alors est-ce que passé cette date, l'effectivité sur le terrain est bien réelle? Nous avons fait bien d'approcher un acteur engagé dans cette lutte contre le tabagisme. Il s'agit de M. Fabrice Capoin-Ebé. Il est juriste de l'environnement, mais également directeur exécutif de l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement. M. Fabrice Ebé, bonsoir. Oui, bonsoir. Les dangers du tabac pour l'environnement, votre spécialité, votre domaine, mais également pour la santé publique. Quand on sait que le 1er septembre passé était une date phare quand même dans le processus de lutte contre le tabagisme, vous allez d'abord nous dire aujourd'hui qu'est-ce que le tabac peut constituer comme danger pour la société. Merci pour l'opportunité que la TVD nous donne de parler des impacts du tabagisme sur la santé et l'environnement. Vous savez d'abord que le tabagisme, c'est l'un des fléaux mondiaux qui ravage le plus de personnes dans le monde. Donc actuellement, le tabac tue près de 6 millions de personnes chaque année dans le monde. Et si rien n'est fait, en 2030, le tabagisme tuera 10 millions de personnes, dont les 70% de personnes vont venir des pays en développement tels que le Togo. Et les études qui ont été réalisées au Togo, au niveau surtout en milieu scolaire, ont montré que le tabagisme en milieu scolaire tournerait autour de 15% en 2007. Mais les études qui ont été réalisées récemment, l'enquête STEP révèle un taux de prévalence de 8,3%. Au Togo. Si vous voyez, l'ampleur est très grande parce qu'il y a beaucoup de décès qui sont liés au tabac au Togo. Donc plusieurs cancers de la gorge, de la bouche, des maladies respiratoires chroniques. Et aussi le tabagisme est un facteur de risque pour les maladies non transmissibles telles que le diabète, l'hypertension artérielle et d'autres troubles de l'homme. Donc, et sur le plan environnemental, on voit aussi que la culture du tabac joue beaucoup en ce qui concerne la déforestation. Dans les pays où on cultive le tabac, on déboise pour pouvoir planter et on utilise beaucoup de pesticides, ce qui fait qu'il y a la dégradation et la pollution des sols liés à la culture du tabac. Donc c'est un véritable phénomène. Et l'Organisation mondiale de la santé, compte tenu de cette importance et dévastatrice du tabagisme sur la santé, a initié et fait adopter la Convention cadre de lutte contre le tabac depuis 2003, qui est un cadre mondial ratifié par le Togo le 15 novembre 2005 et qui réglemente la production, la commercialisation du tabac dans tous les pays. Alors, est-ce que cette convention cadre dont vous faites cas est quand même appliquée et en exercice dans notre pays? Disons que pour mettre en œuvre la convention cadre de lutte contre le tabagisme au Togo, le Togo a adopté en 2010 la loi 2010-017 qui porte sur la commercialisation, la production et la distribution des cigarettes et autres produits dérivés du tabac. Donc cette loi réglemente à la fois l'interdiction de fumer dans les républiques, l'interdiction totale de publicité du tabac et ses produits dérivés. Ça réglemente également les points de vente. Comment en faire pour vendre le tabagisme au Togo? Et aussi exige ce qu'on appelle les avertissements sanitaires qui doivent être sur les paquets de cigarettes. C'est-à-dire que aujourd'hui, les paquets de cigarettes doivent porter obligatoirement les avertissements sanitaires. Il y a un décret que le gouvernement a pris pour instituer les avertissements sanitaires, qui sont au total au nombre de 12, d'après les décrets. Mais actuellement, il y a 4 avertissements sanitaires qui sont en circulation. Alors, on a envie de les connaître. Et si vous voyez les avertissements sanitaires, vous allez voir ici, par exemple, un des avertissements sanitaires, c'est « Fumer provoque l'amputation des jambes ».
Et vous allez voir encore l'autre avertissement, c'est la fumée du tabac nuit à la santé de l'enfant. Alors, ouais. Chaque paquet de cigarettes, un message clé? Oui. Et au fait, actuellement, dans les paquets de cigarettes qui circulent, on doit pouvoir avoir les avertissements, les quatre avertissements sanitaires doivent circuler concomitamment. Cela permet aux consommateurs d'avoir une plénitude d'informations sur le produit qu'ils consomment. Par exemple, fumer nuit à la santé de l'enfant, si cela ne le touche pas, fumer provoque l'amputation des jambes. Alors, ce qui le responsabilise en fait. Ce qui le responsabilise dans son choix. Est-ce qu'il doit continuer par fumer par rapport à tous ces avertissements sanitaires qui circulent? C'est à lui de voir. De toute façon, la loi permet de protéger aujourd'hui le fumeur et de l'amener lui-même à se responsabiliser et à décider de son sort parce que fumer, ça tue. La cigarette, c'est l'unique produit qui tue, qui utilisé dans les conditions du fabricant, tue la moitié des consommateurs. Et quelqu'un qui fume a au moins entre 10 à 20 ans de moins de vie. Ça, c'est prouvé par l'OMS. Ce qui est important aujourd'hui, il faut que les gens respectent l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Oui, mais est-ce que c'est... D'abord, on va commencer par cette mesure qui, depuis le 1er septembre, devrait rentrer en vigueur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous rassurer, si l'on confirmait que cela est vraiment rentré en vigueur, est-ce qu'on n'a pas encore d'autres, les anciens emballages sur le marché? Oui, disons que le 1er septembre, nous allons faire un tour dans les supermarchés, dans le point de vente, pour voir l'effectivité de cette mesure. Et nous sommes au regret de constater que jusqu'alors, dans certains emballages, soit on trouve uniquement les anciens paquets de cigarettes qui ne portent pas les mentions des avertissements sanitaires, soit on trouve les nouveaux paquets à côté des anciens paquets, contrairement à la loi et à son décret d'application. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les fumes de tabac et leurs alliés, c'est-à-dire les distributeurs, les vendeurs, n'ont pas encore commencé par mettre en œuvre effectivement la loi et son décret d'application, contrairement à ce qui est prévu dans les dispositions réglementaires et légales. Donc, il y a des sanctions. Si vous prenez la loi, l'article 23 contient beaucoup de sanctions. Alors, monsieur Fabrice Hébé, avant d'en arriver aux sanctions, je voudrais bien qu'on parle un peu. Est-ce que, avant qu'on en arrive à ces dispositions, vous avez quand même eu à discuter avec ces firmes, ces commerçants, sur la sensibilisation, la formation, le bien fondé de cette nouvelle mesure? Est-ce qu'il y a eu au préalable cela? Non, disons que nous avons eu beaucoup de rencontres. Et notamment, nous avons eu une rencontre dans laquelle nous avons invité toutes les firmes pour leur présenter la loi et les nouveaux décrets. Nous avons vraiment eu à les former sur la loi et sur les nouvelles dispositions. Et aussi, le ministère de la Santé a eu beaucoup de réunions avec les firmes. Et ils avaient eu, normalement, ils ont amené les échantillons des nouveaux paquets qui ont... Nous avons travaillé avec le ministère pour vérifier ces nouveaux paquets, pour voir la conformité à la loi, et cela a été autorisé. La loi était censée être entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2014, mais les firmes ont demandé des reports sur reports, et nous sommes arrivés au 1er septembre, qui était le délai convenu de commun accord. Donc il n'y a pas de raison que cette mesure ne soit pas appliquée. Je pense que toutes les sanctions doivent être appliquées, et nous invitons, demandons impérativement aux agents du ministère du Commerce de faire des sorties pour faire les saisies des paquets de cigarettes qui ne sont pas conformes à la loi et que la rigueur de la loi soit appliquée. Et là, je voulais rappeler ici les contenus de l'article 23. Il y a une amende qui va de 500 000 à 10 millions. Il y a une peine d'emprisonnement qui va de 2 mois à 1 an. Ensuite, nous avons aussi, cette peine-là peut être couplée de la saisie des produits non conformes, du retrait d'agrément. Ça veut dire qu'on peut retirer l'agrément du vendeur, du distributeur ou de la firme qui est à l'origine de la non-conformité des mesures prises. Alors, est-ce que le vendeur, disons, la bonne dame qui est au bord de la route et qui commercialise ses cigarettes, peut être coupée de ces peines? Oui, justement. La peine s'applique à la fois
au film, au distributeur, au vendeur. Et il y a eu beaucoup de formations, de sensibilisation à la télé. Nous avons fait aussi quelques porte-à-porte en parlant aux bonnes dames, etc. Et nul n'est censé ignorer la loi. La loi doit rentrer en vigueur telle que, et doit être totalement mise en œuvre telle que prévue par la loi. Parlons de ces mesures relatives à la loi numéro 2010-017 du 31 décembre 2010 relative à la production, à la commercialisation, à la consommation des cigarettes et autres produits du tabac. Là, vous faites cas des normes relatives à la composition, au conditionnement et à l'étiquetage. C'est bien cela. C'est bien ça. Alors, vous avez tantôt parlé des sanctions que peuvent avoir ces personnes qui se livrent toujours à ce commerce de façon illicite et pas licite. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant des mesures relatives à la publicité, à la promotion et au parrainage? Le principe retenu par la législation togolaise, c'est le principe de l'interdiction totale de publicité, de promotion et de parrainage du tabac et de ses produits dérivés. On ne peut pas avoir, on ne peut pas faire la publicité du tabac aujourd'hui, que ce soit sur les points de vente, que ce soit sur les médias ou que ce soit dans les journaux. On ne peut même pas vendre le tabac dans les automates, comme cela se fait en étranger, parce que notre réglementation interdit cela. Et normalement même, les sites web qui font la promotion du tabac doivent être visibles au Togo. On devrait prendre des dispositions pour que cela soit interdit. Je voulais profiter pour vous parler un peu de la réglementation sur les points de vente. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui vendent encore le tabac en détail, ou les messieurs qui transportent le tabac et qui circulent partout. C'est contraire à la législation togolaise. Parce que vous savez que, d'après la réglementation togolaise, pour vendre aujourd'hui le tabac, il faut que ce soit dans un cadre clos, uniquement réservé à la vente du tabac, sur lequel on met une étiquette « vente de tabac ». Et quand on rentre à l'intérieur, on ne doit pas voir les produits étalés. On doit voir les produits dans un carton, en tout cas dans un endroit fermé. Et lorsque quelqu'un vient pour acheter, on lui présente une liste de produits sur lesquels on met les prix. Et maintenant, lui, il voit la liste, il voit le produit et il commande. Mais aujourd'hui, la réglementation en vigueur n'est pas mise en œuvre. Pourquoi ? Justement parce que au fait, les ministères qui doivent veiller à la réglementation, pratiquer ou saisir, ne font pas leur travail. Le ministère de la Santé, et il faut des agents. Le ministère de la Santé n'a pas aujourd'hui les agents qui vont faire les sorties, mais le ministère du Commerce en a. Donc les inspecteurs de commerce, les agents assermentés pour saisir les produits non conformes doivent jouer pleinement leur rôle en descendant, puisqu'on a déjà fait les sensibilisations. On a fait beaucoup d'ateliers de renforcement des capacités aux différents agents. Donc, il va falloir maintenant mettre en œuvre la loi et il faut qu'on use de la force de l'autorité de l'État pour faire respecter les mesures, puisque ces mesures-là visent à procéder à la santé civile. Vous voyez autant de personnes qui meurent, qui laissent les enfants, les gens qui utilisent tout leur argent pour se soigner des cancers et plusieurs autres maladies liées, n'est-ce pas, au tabac. On ne peut pas laisser encore ces produits circuler comme ça sur le territoire togolais alors qu'il y a une réglementation. Alors, M. Fabrice Ebé, vous êtes peut-être en train de dire qu'il y a une lenteur même dans l'exécution de ces mesures, c'est ça? Oui, il y a une lenteur qui est incompréhensible. Mais vous, acteur clé dans cette lutte contre le tabagisme, est-ce que vous approchez quand même ces autorités compétentes pour que cela soit fait? Disons que le ministère du Commerce n'a pas beaucoup de contacts avec eux, ce que nous allons faire maintenant, mais avec le ministère de la Santé, nous avons fait beaucoup de choses. Les ateliers régionaux de renforcement des capacités. Dans toutes les régions, il y a eu des ateliers de renforcement des capacités impliquant tous les acteurs, les policiers, les gendarmes, les maires, les préfets, les agents dans les ministères clés. Nous avons fait les renforcements des capacités au film de tabac pour qu'ils comprennent les réglementations. Nous faisons le porte-à-porte pour expliquer aux bonnes dames, aux vendeurs. Donc, on a fait notre travail. Alors, pour renforcer les capacités de tous les acteurs. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut encore expliquer, après tout ce travail abattu et cette lenteur? Non, vous savez, ce n'est pas uniquement cette loi. Hein. Le Togo est connu comme un État qui a beaucoup de lois et de très bonnes lois, mais le taux d'application est très faible.
Et souvent, quand nous avons l'occasion de parler, c'est qu'au Togo, nous n'avons pas un département en charge de l'application de la loi. Comme conformément à tous les pays anglo-saxons, aux pays France, il y a un département qui s'occupe de l'application de la loi. Dès qu'une loi est votée, elle est transmise à ce département qui a ses agents et qui a beaucoup de moyens d'inspection. Et on ne peut pas voter une loi sans budget. Qui va mettre en œuvre et avec quoi? Donc, quand on vote une loi, il faut doter le département ministériel des moyens pour son action. Une chose, c'est de voter la loi, mais une chose, c'est de la mettre en œuvre. Et généralement, au Togo, on ne pense pas à la mise en œuvre et on ne dote pas les départements de moyens logistiques, de moyens financiers pour pouvoir faire le travail. Ce que nous demandons à l'État, c'est de mettre en place un département chargé de l'application des lois et de doter ce département-là de budgets conséquents pour pouvoir veiller à l'application de la loi. Alors, M. Fabrice Ebé, juriste de l'environnement, quand même, est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir en ce qui concerne l'exécution ? Non, je suis confiant et convaincu que le Togo va se développer. Oui. Et je suis confiant aussi que les mesures doivent être mises en œuvre. Et je suis convaincu et confiant que les autorités togolaises vont prendre toutes les dispositions pour que la loi et cette décret d'application soient mises en œuvre. Ce n'est que pour protéger la santé publique et pour le développement du Togo. Parce que sans santé, on ne peut pas se développer. Et le tabagisme est un véritable facteur qui constitue un poids au développement du Togo. Merci, M. Fabrice Ebé. Nous allons cette fois-ci passer au chapitre 4, dispositions relatives à la consommation et à la vente du tabac et de ses produits dérivés. On parle d'interdiction de fumer dans les lieux publics. Et déjà, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce possible aujourd'hui? Oui, c'est possible. Il y a les États qui ont déjà les mesures. L'île Maurice, la Côte d'Ivoire à côté. Le Togo a pris sa loi en 2010. La Côte d'Ivoire a pris une mesure en 2012 portant interdiction de fumer dans les lieux publics. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la police et la gendarmerie ferment tous les restaurants et hôtels qui ne se conforment pas à la réglementation. Donc pourquoi si la Côte d'Ivoire côté fait, pourquoi le Togo ne peut pas faire? Donc je pense qu'il va falloir que les autorités prennent des mesures pour fermer les hôtels qui ne se conforment pas. Et il faut que les gens soient avec. En France, tu ne peux pas fumer dans le public, tu filmes, c'est la police qui vient. Et tu as une amende. Donc il va falloir qu'au niveau du Togo, on prenne des mesures pour fermer les restaurants. Donc aujourd'hui, chaque restaurant a l'obligation d'afficher. C'est réglementaire. C'est un arrêté du ministère de la Santé qui a donné le modèle. Alors, où s'en procurer? Non, le modèle est dans la loi. Il suffit de demander. Chaque restaurant, chaque bar, chaque restaurant, chaque hôtel doit avoir l'arrêté. L'arrêté, il est là. Il est publié au journal officiel. Si vous prenez l'arrêté, les dimensions sont là. Si vous commandez à un imprimeur, il voit les dimensions, il va vous produire exactement la même chose. Nous, on a pris l'arrêté et on a vu le technicien et voilà ce que ça donne. Alors, c'est aux frais du tenancier de bar d'hôtel et... Oui. Il a l'obligation de le produire. Nous, on en a produit, on a distribué beaucoup, mais ce n'est pas à nous de produire. La loi en fait l'obligation aux tenanciers, aux gestionnaires, aux propriétaires et aux gestionnaires de lieux publics de produire ces autocollants et de les afficher. Et de faire respecter également l'obligation. C'est-à-dire que si quelqu'un fume, il a l'obligation de le dire de cesser de fumer. S'il refuse, il le fait sortir. S'il refuse de sortir, il peut appeler la force, appeler la police ou la gendarmerie pour faire cesser. Donc, quand les hôtels, restaurants et bars vont commencer par exiger et par dire, par rappeler à leurs clients de ne pas fumer, je pense que la mesure sera applicable. Et comme je vous l'ai dit, en Côte d'Ivoire, cette mesure est déjà effective. Tous les restaurants qui ne se conforment pas à la loi, on les ferme, on retire l'agrément. Le Togo doit commencer également à faire cela. Puisque quelqu'un qui fume la cigarette inhale seulement 15% de la fumée et rejette 85% de la fumée. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont à côté du fumeur inhalent la fumée de la cigarette et auront
selon la science, les mêmes maladies que le fumeur. Alors, d'autres dispositions, elles sont particulières relatives à la protection des enfants. Là, l'article 13, il est interdit de vendre et de donner à titre gracieux du tabac et ses produits dérivés à tout enfant. Alors, parlez-nous, en ce qui concerne la protection des enfants, qu'est-il vraiment? Oui, en ce qui concerne la protection des enfants, disons que la loi est très claire. Je pense que c'est les articles 16 à 18 de la loi et qui interdisent, n'est-ce pas, de... on ne doit pas vendre, l'enfant ne peut pas vendre ni acheter du tabac. Donc, normalement, on exige, il faut exiger. En cas de doute, si vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas certain de la majorité de quelqu'un, il faut demander sa carte d'identité pour s'assurer que la personne a la majorité. Si la personne n'a pas la majorité, vous devez refuser de lui vendre. Ces mesures-là sont déjà applicables dans beaucoup de pays. Mais malheureusement, c'est les parents eux-mêmes qui se livrent à cet exercice. Ils envoient leurs enfants pour prendre quelques paquets de cigarettes à l'eau. Oui, c'est l'occasion d'inviter les parents à ne plus d'abord envoyer les enfants pour acheter la cigarette. Parce que si vous envoyez un enfant pour acheter la cigarette, il prend l'habitude. Vous initiez cet enfant à fumer le tabac comme vous. Et le Togo a un code de l'enfant. Et je pense que cette mesure-là est conforme au code de l'enfant. Monsieur Fabrice Ebé, vous allez nous dire, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant, dites-nous quel devrait être le rôle, mais également la responsabilité de tous les acteurs engagés dans cette lutte et dans la mise en œuvre de ces mesures. Le ministère de la Santé est responsable de l'exécution des mesures. Donc le ministère de la Santé va s'assurer à ce que les mesures portant interdiction de publicité, de promotion de parrainage, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, et puis les autres mesures relatives à l'intention à la réglementation des points de vente, je pense que l'ensemble de ces questions, le ministère de la Santé, en tant que département d'exécution, doit s'assurer que ces mesures soient mises en œuvre. Mais en conjonction avec le ministère du Commerce. Parce que, au fait, le tabac, c'est quoi? Ça relève du commerce. Donc, le ministère du Commerce doit travailler aux côtés du ministère de la Santé pour s'assurer que les mesures soient mises en œuvre. Et notamment, les agents d'inspection et de saisie des produits doivent descendre sur le terrain pour saisir les produits non conformes. En ce qui concerne les emballages non conformes, on doit les saisir. Les gens qui vendent les produits en dehors, dans les points de vente qui sont non conformes à la réglementation, on doit procéder à la saisie de ces produits. Aussi, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile va veiller à l'exécution, travailler aux côtés du ministère du Commerce, du ministère du Tourisme, pour veiller à s'assurer à ce que les hôtels, les bars et les restaurants qui relèvent du ministère du Tourisme mettent en œuvre l'interdiction de fumer dans le public. Donc le ministère du Tourisme doit aussi travailler à sensibiliser les hôtels, les restaurants, en collaboration avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, pour s'assurer que l'interdiction de fumer dans les lieux publics est effective dans notre territoire. Je pense aussi que les firmes elles-mêmes ont intérêt à s'assurer à ce que leurs produits mis en vente sur le marché est conforme à la réglementation. Parce que, comme je vous ai dit, les sanctions sont très lourdes. On peut payer jusqu'à 10 millions pour non-conformité si on saisit leurs produits. Et on peut saisir, retirer leur agrément, etc. Et même risque l'emprisonnement d'un mois à un an. Donc je pense que, et aussi le consommateur doit savoir que ces mesures, c'est pour le protéger. Et il y a beaucoup de mesures pour les aider aujourd'hui à arrêter de fumer. Il suffit d'approcher les médecins pour qu'on s'assure, pour qu'on les suive, pour leur donner les conseils pour qu'ils puissent arrêter de fumer. Et je pense que si tous les acteurs font leur travail, la loi sera effectivement mise en œuvre et ceci va contribuer énormément à la protection de la santé publique dans notre pays. Alors vous, en tant qu'acteur clé dans cette lutte, dites-nous, vous avez là cité 4 ministères au total, commerce, santé, tourisme, mais également protection civile, sécurité. Est-ce que vous remarquez déjà cette synergie d'action au niveau de ces ministères? Disons que la synergie d'action est lente à venir. Et le ministère du Commerce vient de rentrer dans le jeu en organisant, bien sûr, avant le 1er septembre, je crois que c'est le 29 ou 30 août,
ils ont fait un atelier avec les firmes et tous les acteurs pour les informer de la nouvelle réglementation en ce qui concerne les emballages. Donc les acteurs ont été informés lors d'une réunion à l'Agora Senghor, à Lomé. Donc je pense qu'il faut que le ministère du Tourisme, on avait eu déjà des ateliers où on a invité les gens du tourisme qui ont promis aussi de rentrer dans la danse, mais jusqu'alors ils ne sont pas encore rentrés dans la danse pour amener les hôtels à respecter l'intention de fumer dans le lieu public. Le ministère de la Protection civile aussi n'est pas encore rentré dans le jeu, mais je pense qu'il y avait une mission d'évaluation de l'OMS qui a rencontré tous les acteurs, tous les ministères. Récemment, il y a 2 semaines, donc lors de cette réunion, ils ont parlé, les experts de l'OMS ont invité le gouvernement et l'ensemble des départements ministériels à rentrer, à contribuer à la mise en œuvre des mesures prises, et nous espérons qu'après cette mission, l'ensemble des départements ministériels va travailler en synergie pour que la loi et l'ensemble de ces décrets d'application soient effectivement mis en œuvre sur le territoire togolais. Merci M. Fabrice Ebe pour toutes ces informations combien utiles. Mais avant de vous laisser, nous allons revenir un peu sur l'étiquetage. Quand on voit ces messages clés sur ces emballages, on remarque également qu'il y en a dans certaines langues du pays. Dites-nous quelles sont ces langues et qu'est-ce que ces messages nous disent. D'après la loi, l'avertissement sanitaire doit occuper 65% des deux faces principales. Donc vous voyez ici, recto verso, 65%, 65%. Et ça sera écrit en français et en évé sur la première page principale et en cabillet et en français sur l'autre face principale. C'est les deux langues nationales. C'est les deux langues nationales. Donc, sur le paquet en même temps, on sensibilise à la fois en évé, on sensibilise en cabillet et on sensibilise en français. Monsieur Fabrice Ebe, juriste de l'environnement, directeur exécutif de l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement ANS Togo, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et on espère vous retrouver. Nous, de toute façon, nous repasserons, souffrez qu'on vous le dise, nous repasserons pour discuter toujours de ce sujet combien important pour la santé publique. Je vous remercie. Merci à vous. Vita Santé pour mieux vivre ta santé. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. En ce qui concerne le tabac, les réglementations, les nouvelles mesures en vigueur, vous le savez, pour joindre le staff de cette émission, c'est tout simple. vitasantetv2@gmail.com. Voici pour l'adresse mail ou encore, comme vous savez si bien le faire, envoyez-nous vos préoccupations, sinon sollicitations via le numéro direct 98 08 98 71 98 08 98 71 et nous nous ferons pourquoi pas le plaisir de reprendre à vos sollicitations ou encore retranscrire vos messages en thème débattu sur ce plateau. Vous le savez, nous nous retrouverons la semaine prochaine, l'heure à 20h30, le jour samedi, la rediffusion de ce magazine, c'est tous les jeudis à partir de 18h30. D'ici là, prenez soin de vous, de votre santé et ne fumez pas.